J'ai pas d'amis. Enfin, j'ai pas zéro ami. J'ai juste pas créé autant de relations au cours de ma vie que ce que j'aurais potentiellement pu. Et selon moi, c'est un gros problème. Mais avant de rentrer dans le dur, petite remise en contexte. Pendant la majorité de ma vie, j'étais un gars super sociable. J'étais toujours fourré dans des groupes de potes, j'étais toujours le gars qui faisait rire à la galerie et je voulais me faire accepter par tout le monde. Et je sais pas trop pour quelle raison, mais vers la fin de mon adolescence, ma sociabilité m'a tout simplement quitté. Elle est partie comme ça, et je suis devenu l'extrême inverse de ce que j'étais avant. Et j'ai commencé à voir le monde de manière ultra-binaire. En gros, soit t'étais avec moi, soit t'étais pas avec moi. En d'autres termes, j'avais mon noyau dur, mes amis... Très proche et ma famille, et il y avait le reste du monde que je ne voulais pas forcément côtoyer. Quand quelqu'un s'approchait de moi pour faire la connaissance, j'y mettais pas forcément du mien, et ça se traduisait par des comportements un peu nocifs. A ce niveau-là, c'était plus que de la flemme de rencontrer des gens. C'était vraiment un rejet de toute nouvelle interaction sociale. Avec le temps, j'ai commencé à découvrir des notions comme le minimalisme relationnel, et la fameuse idée selon laquelle t'es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, et qu'il faut absolument supprimer les gens qui ne t'apportent pas de valeur, et les gens qui ne te tirent pas vers le haut. Donc, personnellement, ça m'allait. Ça allait totalement avec ma vision de la vie et je me suis de plus en plus enfermé dans ça. Mais progressivement, il y a quelques années, j'ai doucement commencé à voir les failles et les limites de ce mode de pensée. Premièrement, je suis devenu entrepreneur et j'ai découvert que l'air de rien, les toutes petites interactions que j'avais au quotidien à la fac, les visages des gens, les expressions sur leurs visages, bah socialement, ça me servait. Et quand je me suis retrouvé tout seul à entreprendre, et d'ailleurs euh, le sujet de la solitude chez l'entrepreneur, c'est un sujet qui est de plus en plus abordé par les gens sur internet et j'en ai d'ailleurs parlé sur une vidéo. Mais bref, quand je me suis retrouvé tout seul, je me suis vraiment rendu compte que j'avais besoin de ce contact social. Deuxièmement, il y a eu la fameuse crise du Covid qui est venue exacerber ce côté solitude chez tout le monde, même chez les personnes qui étaient en études ou qui étaient en entreprise. Donc imagine pour un entrepreneur qui était déjà seul de base, je pouvais euh, passer des moments avec mes proches, mais de plus en plus, j'avais l'impression que ça ne suffisait plus. J'avais l'impression que je n'avançais plus autant qu'avant. Aujourd'hui, j'essaye donc de plus en plus de trouver un équilibre entre un noyau dur sain et solide et des nouvelles relations de temps en temps qui peuvent m'apporter des choses. Revenons à mon sujet de base. Pourquoi la mentalité de minimalisme relationnel, le fait de toujours faire du tri dans ses proches ou encore cette fameuse idée selon laquelle on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent peut être nocif à un certain niveau Déjà, la première chose qui me dérange avec cette mentalité, c'est qu'on doit s'entourer de gens qui nous apportent de la valeur. Et l'idée sous-jacente Derrière tout ça, c'est une idée ultra productiviste des relations humaines. En général, quand on parle de minimalisme relationnel ou de s'entourer euh, des cinq personnes qui nous ressemblent le plus, c'est pour parler d'être tiré vers le haut d'un point de vue euh, professionnel, d'un point de vue chemin de vie. Mais ce qui me dérange personnellement, c'est que j'ai jamais côtoyé toutes les personnes pour la même raison. Je côtoie différentes personnes pour différentes raisons. Un de mes meilleurs amis que je connais depuis plus de 10 ans, je le vois juste pour me marrer, pour parler de foot et pour parler de manga. D'ailleurs, à chaque fois que je le vois, je lui rappelle que One Piece est le manga le plus surcoté de l'histoire. Mais bon, je froisse personne, ça c'est un autre sujet. Bref, avec cette mentalité, la plupart du temps, on fait passer les relations sociales par le filtre de la productivité. Alors, de base, ce sont des valeurs nobles, mais est-ce qu'on peut pas côtoyer des gens pour d'autres choses est-ce qu'on ne peut pas côtoyer des gens qui sont pas euh, en accord avec ce qu'on dit et avec ce qu'on pense Et ça, ça m'emmène au deuxième point. C'est un point qui m'intéresse énormément au quotidien et que je creuse beaucoup de mon côté. C'est le sujet des bulles de pensée. La bulle de pensée, la bulle de filtrage ou encore la bulle algorithmique, appelle ça comme tu veux, c'est le fait de s'enfermer dans une bulle, dans un cercle de personnes qui pensent la même chose que toi et donc de t'enfermer toujours plus dans tes croyances et de penser que toutes les idées que tu as dans la vie sont forcément vraies parce que toutes les personnes qui t'entourent viennent les valider. On aime tous avoir raison. C'est nécessaire de se créer un narratif où notre vision de la vie est la bonne, où on va dans la bonne direction grâce à nos actions et grâce à nos pensées, pour pas vivre dans un état de perpétuelle dissonance. Si, si, crois-moi, t'es pas exceptionnel. Même si en ce moment t'es en train de te dire que t'es pas comme toutes ces personnes biaisées, bah rien que ça en fait, c'est un biais. Sache que tout le monde a ses propres pensées et toutes les personnes doivent donner sens à leurs pensées en se disant qu'ils ont raison sur leur vision de la vie. Et le biais le plus connu qui nous fait nous enfoncer dans nos croyances, c'est le biais de confirmation. Si tu ne sais pas ce que c'est le biais de confirmation, c'est un biais qui nous pousse à valoriser beaucoup plus les informations qui viennent étayer nos théories plutôt que les informations qui viennent les rejeter. Par exemple, un platiste qui va voir une source selon laquelle euh, la Terre est plate, va beaucoup plus valoriser cette source que des centaines de milliers d'études scientifiques qui viennent prouver que la Terre est ronde. C'est un biais qui est beaucoup mis en avant à l'heure des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ils sont basés sur des algorithmes qui nous proposent des choses qu'on pourrait potentiellement aimer. Donc des choses qui sont toujours en accord avec nos pensées. Mais le problème, c'est qu'avant d'en arriver à l'étape de Twitter, on peut aussi s'enfermer dans ça dans la vraie vie. En s'entourant de gens qui sont totalement d'accord avec toi, tu vas créer au fur et à mesure une illusion d'objectivité. Tu vas penser que tu as raison parce qu'une poignée de personnes valide tes pensées. C'est ce qu'on appelle un biais égocentrique. Et il y a un tas de biais égocentriques qui nous poussent à penser que nous avons une vision objective de tout ce qui nous entoure. Et le phénomène qui a le mieux résumé cette perception, c'est le phénomène du réalisme naïf. En gros, chacun d'entre nous pense qu'il voit le monde tel qu'il est réellement, sans aucun biais préexistant. On pense aussi que tous les faits, comme nous les apercevons, se présentent de la même manière à tout le monde, et que donc tout le monde doit être d'accord avec nous. Et s'ils ne sont pas d'accord, c'est qu'ils n'ont pas vu tous les faits ou qu'ils sont aveuglés par leurs croyances ou leurs idéologies. En gros, comme je le disais plus tôt, oui, l'être humain est biaisé, mais moi je suis un cas spécial. Comment est-ce qu'on peut se frotter effectivement à la réalité Comment on peut être dans une démarche de recherche de la vérité si de base on est des êtres humains imparfaits et biaisés Et qu'en plus de ça... Nos proches confirment en permanence nos pensées parce qu'on s'entoure de personnes qui nous ressemblent. Est-ce qu'il n'y a pas une petite ambiance un peu incestueuse là-dedans Les résultats de tout ça, c'est que tu finis par échanger toujours les mêmes idées avec les mêmes personnes et tu arrives aux mêmes conclusions. Tu t'enfermes dans tout ce confort et tu te remets jamais en question. D'un côté, il y a le bien, il y a le vrai. Ça, c'est ce que toi et les tiens pensent. Et de l'autre côté, il y a la vision biaisée, la vision du monde extérieur. La vision de ceux qui n'ont rien compris à la vie. En plus de tout ça, le postulat selon lequel tes proches peuvent t'aider à atteindre plus vite tes objectifs, je ne pense pas qu'il soit forcément vrai. Parce que atteindre ses objectifs, c'est faire des erreurs et se remettre en question. Un proche, une personne qui t'aime et qui a des sentiments euh, assez positifs pour toi, il a beaucoup de mal en général à être objectif avec toi. Il y a des choses des fois que tu pas forcément envie d'entendre, mais qui peuvent te faire du bien dans la vie. Donc, est-ce que ça t'aide vraiment à évoluer au final Dans ce sens-là, Annie Duke, dans son livre Thinking in Bets, propose de se créer un groupe de critique constructive. Elle donne l'exemple d'un groupe de poker parce qu'elle a été joueuse de poker professionnelle pendant des années et elle explique qu'ils se sont tous mis d'accord pour qu'après chaque partie, chacun décortique les techniques de l'autre à la lumière de ce qui aurait pu être mieux fait, même quand l'autre réussissait et gagnait des millions de dollars dans une partie de poker. Et donc en faisant ça, on met le doigt clairement sur nos biais et on se force à être critique envers les autres. Et je pense que avoir des gens qui sont moins proches de toi ça te permet d'avoir ce regard un peu critique sur ce que tu fais. Même quand tu fais les choses bien, ça peut être intéressant de voir comment tu aurais pu le faire mieux. Donc, s'entourer de personnes qui nous ressemblent peut parfois être un fardeau en termes de recherche de la vérité. À ce propos, il y a une citation du philosophe John Stuart Mill que j'aime beaucoup La seule façon pour un être humain de s'approcher de la connaissance totale d'un sujet, c'est d'entendre ce que peuvent en dire des personnes de toutes les opinions et d'étudier toutes les manières dont il peut être considéré par tous les types d'esprit. Aucun homme sage n'a jamais acquis sa sagesse autrement que de cette manière. Et il n'est pas dans la nature de l'intellect humain de devenir sage d'une autre manière. Le troisième problème que je vois dans le fait de se reposer que sur son noyau dur et euh, de refuser toute nouvelle relation sociale dans sa vie, et ça c'est un petit peu plus personnel, ça vient d'une mentalité selon laquelle on a besoin de personne. J'ai grandi dans un milieu où c'était un peu euh, bien vu de dire qu'on s'était fait tout seul, de dire qu'on avait tout mérité et qu'on avait besoin de personne pour évoluer dans la vie. Alors, premièrement, on pourrait euh, débattre plusieurs heures si oui ou non euh, on a vraiment euh, autant de mérite que ça. Et deuxièmement, ça fait que parfois dans la vie, des mains sont tendues vers nous et on les refuse à cause d'une certaine fierté mal placée. Je pense qu'il faut arrêter de pousser toutes les mentalités à l'extrême, notamment l'idée selon laquelle euh, on peut euh, se contenter de notre propre présence. Alors évidemment, c'est génial de penser ça, mais je trouve qu'en ce moment, il y a un courant selon lequel il faut absolument être seul et que c'est cool, mais la solitude poussée à l'extrême... C'est pas cool en fait, on a besoin des autres et on a besoin de plus de personnes que ces fameuses 5 personnes qui nous entourent. Parce que notre propre développement, il vient évidemment de l'intérieur, mais il vient pas que de l'intérieur. C'est ultra individualiste de penser ça et je pense qu'on se construit aussi pas mal dans le regard de l'autre. La quatrième chose qui me dérange dans l'idée du minimalisme social, c'est que cette pensée crée une certaine sorte de fragilité émotionnelle. Premièrement, de manière très pragmatique, parce que si euh, tu te crées un noyau dur. Et que tu te dis que tu vas dépendre que de ces quelques personnes que tu estimes le plus, eh bah, ben si tu vis une déception dans votre relation, qu'est-ce qui se passe Si tu mets toutes tes espérances dans quatre euh, ou cinq amitiés, émotionnellement, comment tu le vis La deuxième chose qui peut venir créer une fragilité émotionnelle, et j'en ai un peu parlé avant, c'est que tu te fermes totalement aux idées contradictoires. Est-ce qu'on doit vraiment éjecter quelqu'un de notre vie juste parce qu'il partage pas nos idées Parfois, entendre certaines personnes, on croirait que oui. Par exemple, certaines personnes qui me sont très chères. M'ont déjà dit que je faisais une erreur en me lançant dans l'entrepreneuriat, et que je devrais utiliser mon diplôme pour avoir la sécurité. Parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Est-ce que pour autant je dois les supprimer de ma vie Parce qu'ils m'aident pas à devenir la fameuse meilleure version de moi-même Non, je pense pas. Car déjà, euh, ces personnes sont des personnes complexes, et que quand on discute, on discute pas forcément que de ça. Et en plus, à force de fuir en permanence la contradiction, je pense qu'on finit dans un état mental et émotionnel ultra fragile. Et ça, personnellement, je pense que c'est dangereux pour les rapports humains. Je pense que c'est plus dangereux. Que Tata Janine qui te dit au repas de famille que tu aurais dû faire un vrai métier parce que t'es devenu entrepreneur. Alors oui, tu vas pas t'entourer de gens qui sont 100% en désaccord avec toi. Tu vas pas non plus t'entourer de gens qui te prennent pour un abruti ou pour un moins que rien. Là on rentre dans la sphère du respect. Et t'es pas obligé non plus d'être meilleur ami du monde avec les gens qui croient pas en tes projets. Mais je pense que des fois ça vaut le coup d'écouter euh, les personnes qui sont pas d'accord avec toi, les personnes qui ont rien à voir avec ton monde pour pouvoir en apprendre plus. Faire preuve de plus d'empathie et plus t'ouvrir aux idées des autres. Parce que sinon tu finis à plus du tout savoir gérer la contradiction. Le dernier problème de cette bulle et de ce noyau dur de personnes que tu vas te créer d'un point de vue mental et émotionnel, c'est que l'air de rien, ça te permet pas d'évoluer. Vers une nouvelle version de toi-même. Quand t'as des amis depuis très longtemps ou quand ta famille te connaissent depuis que t'es né, ils ont une vision dite historique de toi. Parfois, personnellement, je discute avec un membre de ma famille et il me dit oui, mais toi, tu es comme ça. Alors que c'est un trait de caractère que personnellement, j'ai plus depuis que j'ai 15 ans. C'est pas de leur faute, hein, mais ils font l'amalgame avec ton toi du passé et inconsciemment, ça peut t'enfermer dans qui tu étais avant. Par exemple, si tu n'as jamais été très sportif, mais que depuis quelques mois, tu t'es mis au sport et que tu veux vraiment implémenter cette habitude parce que tu tiens à changer de vie, ça va pas forcément t'aider d'avoir des personnes que tu connais depuis 15 ans qui te disent Ah, oh, mais lui il est pas sportif. Donc ça t'enferme dans une version de toi-même du passé et ça ne te laisse pas forcément une fenêtre pour évoluer vers une meilleure version de toi-même dans le futur. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, je vais quand même me faire l'avocat des coachs en développement personnel et des minimalistes relationnels qui veulent que tu aies que 5 amis dans ta vie. En réalité, je pense que c'est important d'avoir un bon entourage. Le problème, comme dans beaucoup de cas, c'est les mentalités extrêmes. Je vois de plus en plus l'essor de cette mentalité depuis plusieurs années qui consiste à dire qu'il faut que tu supprimes totalement les personnes qui te ressemblent pas de ton quotidien. Mais je pense que plus que jamais, c'est important de rappeler que la diversité dans les propos, dans les pensées, c'est important pour évoluer. Beaucoup de gens s'enferment de plus en plus dans leurs bulles, notamment comme j'ai dit juste avant avec les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux ne sont pas forcément les seuls coupables. On n'a pas attendu les réseaux sociaux avant d'être dans des bulles d'information. Je pense qu'avant l'avènement d'Internet... La bulle des personnes, c'était leur village. Donc tout le monde a toujours évolué dans des bulles. Aujourd'hui, on a des outils qui peuvent nous permettre d'aller explorer d'autres manières de penser. Mais ces outils-là peuvent aussi nous faire nous enfermer dans nos modes de pensée. Donc je pense vraiment qu'avoir un entourage solide est très important. Mais encore une fois, c'est apprendre avec des pincettes. Et en réalité, après réflexion, je pense que j'ai compris pourquoi pendant plusieurs années, j'avais du mal à être sociable avec les gens. Pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de très très important. Et j'ai un rapport très spécial à la trahison et à la fidélité. C'est vraiment des valeurs qui me tiennent beaucoup à cœur dans la vie. Et je pense que c'est pour ça que pendant longtemps, je me fermais à des nouvelles relations. Parce que euh, plus tu crées d'amitié, plus tu crées de chances de finir des amitiés. Et donc plus tu dois te reconstruire derrière. Pendant des années, j'aimais bien utiliser la théorie de la maison pour parler de l'amitié. Je disais souvent que l'amitié, c'était comme une maison et les relations de manière générale. Dans une maison, on a besoin de murs porteurs. On a besoin de choses qui vont jamais casser et on a besoin de choses qui nous soutiennent dans la vie. Mais c'est aussi important d'avoir d'autres choses dans une maison, autre chose que des murs porteurs. Sinon cette maison va finir bien triste. Tu peux avoir des relations avec des gens qui sont pas d'accord avec des principes fondamentaux de la vie, mais les personnes que tu vas faire rentrer dans ton cercle privé, les personnes qui vont faire partie de ton noyau dur, je pense que c'est important de se mettre d'accord avec elles sur un socle de valeurs communes. Sur un socle de valeurs à pas transgresser, par exemple la trahison dont je te parlais juste avant. Là, je te parle vraiment de valeurs d'amitié, de valeurs de rapport à l'autre, des choses très importantes. Mais si quelqu'un diverge un peu sur des sujets de société avec toi, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le virer de ta vie? à toi de te poser la question. Voilà pour cette vidéo qui diverge fondamentalement avec une idée centrale du développement personnel et aussi du minimalisme relationnel. Vu que c'est un avis qui n'est pas forcément partagé par tout le monde, j'attends vraiment de savoir ce que toi personnellement t'en penses. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire que tu sois d'accord ou pas avec moi, ce que tu penses euh, de cette euh, mentalité de minimalisme social, si tu penses que c'est une bonne chose de vraiment euh, ne pas avoir de nouvelles relations. Ou si tu penses au contraire que c'est important de créer des nouvelles relations d'un point de vue de ton évolution mentale, psychologique, philosophique, ou encore pour créer des opportunités. Donc j'ai vraiment hâte euh, d'avoir ton avis en commentaire. N'hésite pas à me dire tout ça et je serai ravi de te lire et de débattre avec toi. Si cette vidéo t'a plu, tu commences à connaître la musique, tu veux plus de contenu sur le développement personnel, l'énergie, la productivité et plein d'autres sujets, clique sur le premier lien en description pour t'inscrire aux lettres minimalistes, ce sont des mails privés que j'envoie plusieurs fois par semaine et que je ne partage pas forcément sur Youtube Ah aussi, si toute la question des billets égocentriques des bulles de pensée et de toutes ces choses là t'intéresse personnellement ça me passionne donc je vais te mettre une petite bibliographie en description si tu veux checker pour un peu approfondir le sujet parce que euh, je peux pas tout traiter en 10-15 minutes, même si j'adorerais faire des contenus de plusieurs heures sur ça euh, mais peut-être que ça intéresserait pas tout le monde donc voilà, n'hésite pas à checker la description pour voir ça Abonne-toi à ma chaîne, laisse-moi un petit j'aime et partage cette vidéo si elle t'a plu tu le sais bien, mais ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste. Est-ce que chez toi aussi, quand tu étais petit, euh, l'expression « sans amis », c'était une des expressions euh, insultes ultimes, genre Moi, c'était vraiment euh, l'insulte, une top 3 insultes ultime. Et aujourd'hui, je fais une vidéo où j'écris « j'ai pas d'amis ».« J'ai pas pas d'amis », tu vois mais quand on était petit, t'as pas d'amis, t'es sans amis, c'était terrible.